J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles énergies. Comme d'habitude, hein, j'ai toujours pas changé l'intro, j'ai toujours pas trouvé de petits trucs. Bref, on va voir dans quelle aventure on est embarqué aujourd'hui. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous, que les énergies redescendent un peu. J'ai vu quand même quelques commentaires comme quoi le week-end s'était plutôt bien passé. Les gars, vraiment, vous avez de la chance. On en profite pour envoyer des bonnes énergies du coup à tout le monde parce qu'il y en a bien besoin. Et puis voilà, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, on ne va pas perdre plus de temps et on va s'y mettre. Alors, voyons voir pour les masculins un petit peu comment ça se passe. On a déjà la carte de la justice qui tombe, des choses qui se remettent en ordre. On a quand même, j'ai toujours la justice suivie du calme au niveau du foyer. Ouais. Donc là, masculin est bien en train de nettoyer des choses du passé au niveau de son enfance. Les traumatismes du passé liés à cette blessure d'injustice. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que ça viendra après pour les féminins. Donc là, c'est masculin qui fait le travail en amont. Et ensuite, ça viendra pour les féminins. On avait l'impression d'être dans une impasse, dans cette voie sans issue. Là. Dans ce côté où justement, bloqué un petit peu dans sa vie, cette injustice d'être bloqué, on a un masculin qui justement trouve des solutions. Et on actionne des solutions ici. Parce qu'on est justement plus calme au niveau de sa tête. On a moins de lourdeur en fait au niveau du psychique là des masculins. On a vraiment cette notion d'accord. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la matière pour les masculins. On est vraiment sur quelqu'un qui lâche un petit peu du lest quoi. Au niveau du boulot, plan professionnel ou plan de la matière. On va voir un petit peu ce qui se passe. On apprend des choses. C'est pas spécialement une formation, ça peut être aussi au niveau de la vie en elle-même. On apprend des choses au niveau du boulot, soit dans le sens où il y a des vérités qui sont révélées, soit dans le sens formation. Moi, on me parle vraiment sur une élévation de l'âme. Il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau de l'apprentissage. Je n'arrive pas trop à le retranscrire, parce que je ne trouve pas mes mots. Mais j'ai vraiment cette idée de j'apprends quelque chose au niveau de la vie, sur le plan de la matière, sur le plan pro. Et ça me permet d'avoir ces déclics qui me permettent aussi d'aller vers ce côté blessure d'injustice qui se guérit. On est vraiment sur... Ici, c'est le domaine professionnel qui va faire un petit peu basculer, alors que masculin soit au chômage ou non, c'est pas un problème. On a vraiment un aspect, en fait, qui amène cet apprentissage de la vie, qui amène ce côté où on comprend des choses par rapport à tout ça. On travaille, du coup, sur la polarité masculine. On est vraiment ici dans le côté action, action, conception, action, mettre en place des projets. Mettre en place des choses. Et c'est vraiment ça, ce côté de la vie-là, de mettre en place des choses, d'être dans l'action, qui va être le plus formateur possible vis-à-vis de masculin ici. On est sur quelqu'un qui est centré sur le moment présent. J'ai envie d'éterner depuis que je fais la vidéo des féminines. Ouh. On se centre sur les choses qui nous font du bien ici, en fait, sur les masculins. Je me centre sur le côté ici et maintenant. On a quand même ce côté où on pense pour du long terme, on pense pour du durable. Mais on se centre sur les choses qui nous font du bien. On se centre sur les choses qui vont nous mettre bien, qui vont nous faire plaisir, qui vont justement un petit peu éloigner cet égo-là, ce côté doute, ce côté peur. Il y en a quand même, bien sûr. On a aussi une peur au niveau sentimental. On a des choses qui ressortent. On a des pensées un petit peu bizarres. On a peur d'un changement. On a peur d'un déménagement, peut-être. On a peur d'un changement assez intense. Hein.
sur par rapport au long terme, par rapport à une chose qui s'est déjà passée. On a un traumatisme du passé qui ressort et on a peur d'un point de vue sentimental par rapport à ce changement qui peut être un petit peu trop grand. On a peur de mal le vivre. Donc sur le plan pro, on a des côtés où on comprend des choses, les choses se mettent en place petit à petit. Au niveau du relationnel, sentimental, on a la peur que quelqu'un s'en aille. On a la peur de revivre quelque chose par rapport à un déménagement. Alors peut-être que c'était une séparation des parents qui s'est mal passée, dans le sens où le parent avec qui on n'était pas du coup est parti très loin. On a peur de l'abandon. De l'abandon ou du rejet, ça dépend quel parent est parti. Le rejet concerne le parent du même sexe, l'abandon concerne le parent du sexe opposé. Donc à voir du coup quelle blessure est en train de se libérer ici. Mais en tout cas, on a peur par rapport à une relation qui. On a peur que ça se casse en fait. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le sens où on va prendre de la distance, pas de la distance physique avec des kilomètres, mais de la distance au niveau du cœur. On a peur de ça en fait. Mais tout ça, là, c'est en train de mettre fin à un cycle qui a commencé il y a 5 ans. Donc il y a 5 ans, c'était en 2017. Si je sais faire mes additions encore. Ce qui n'est possiblement pas le cas, hein. Toujours été nul en maths de près ou de loin. Dès qu'il y a des chiffres, mon cerveau s'arrête. Tac, 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 tac. Ouais. Là, on est en train de mettre fin à des choses qui se sont passées il y a très longtemps. Il y a un cycle là qui a commencé il y a 5 ans, donc en 2017. Mais il y en a un autre qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large, qui vient vraiment taper au niveau des blessures. Donc là, on est vraiment sur des choses qui se libèrent de manière très, très profonde. Vous voyez, là, on a des choses qui se libèrent au niveau familial, grâce à ce qu'on a appris dans la matière. C'est marrant parce que je sens beaucoup de peur. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas drôle, mais je sens beaucoup de peur au niveau des masculins, mais en même temps, je sens une certaine fluidité. Y a le côté où, ouais, on est épuisé forcément. On est épuisé parce qu'on accorde beaucoup de temps à la. Ah, j'arrive pas à parler. On accorde beaucoup de temps à la famille. Et là, on dit qu'il faut saisir les opportunités pour souffler un petit peu, pour mettre cet aspect-là un petit peu de côté. Là, on peut pas être trop centré sur la famille, mais il y a ce côté où on se coupe un petit peu du reste, en fait. Donc là, on demande de s'ancrer. Alors, l'ancrage avec la famille, c'est bon. Il est fait, il est bon, on est OK. Mais l'ancrage sur le reste n'est pas spécialement là. Donc, il y a peut-être rupture d'abondance par rapport à tout ça. Encore une fois, là, c'est l'enfant intérieur qui n'a pas été aimé, qui a été rejeté, qui a été abandonné, suivant du coup hein, ce qui est en train de ressortir un petit peu en ce moment. Donc, suivant quel parent a laissé un petit peu de côté. Mais c'est un petit peu ça qui crée la rupture par rapport à tout. Il y a vraiment,
comment dire? Par exemple, si masculin est une maman et que en ce moment c'est une maman qui est un petit peu maman oppressante, dans le sens un petit peu maman trop mère cool. On va être trop sur les enfants, à leur mâcher le travail et absolument tout. Bah ça, c'est en fait la petite fille intérieure de la maman qui est en train de parler parce qu'elle n'a pas eu cette attention de la part de ses propres parents. Donc attention dans le sens où là, il y a quelque chose qui est... J'ai vraiment ce côté, on est trop sur la famille en fait. On est trop sur les autres. Ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille de cœur. Mais on est trop dans cet aspect de protection qui va un petit peu aller en dégénérant, quoi. Donc là, on dit qu'il y a quelque chose à guérir, mais qu'il faut d'abord guérir par rapport à son propre enfant intérieur, où on a le côté tristesse qui ressort. Parce qu'il n'y a pas de... Il y a ce manque d'attention, en fait, ce manque d'attention, ce manque d'amour qui ressort énormément de l'enfance. Et donc, du coup, là, on crée un ancrage par rapport à la famille qu'on a choisie ou qu'on a créée. Mais on dit vraiment, faites attention à ça. Faites très, très attention à ça. Parce qu'à vouloir être trop dans cet aspect, je te donne de l'amour parce que moi, j'en ai pas reçu et je veux que tu te sentes aimé et tout machin. Il va y avoir ce côté trop trop oppressant pour les autres en face. Et ça va pas être mieux, quoi. Est-ce que t'es trop, ouais, trop. Donc attention à ce côté un petit peu là. On dit vraiment, on a vraiment le panneau attention qui ressort. Je les sens saoulés, hein, vraiment. En mode putain, je me fatigue moi-même. Il y a un truc qui me saoule. Je saurais pas dire quoi exactement, mais ouais, on a vraiment le côté. N'arrive pas à voir les choses différemment, comme un peu tout. Hein. On est persuadé que ce qu'on fait est la bonne chose et que c'est la meilleure façon de faire, etc. Encore une fois, ça demande une prise de recul. C'est le côté ce qu'on disait hier, les gens considèrent que s'ils prennent cette décision-là, c'est que ça leur semble être la meilleure pour eux à ce moment précis. Et on sent bien ce côté oppressant là. Au niveau général, on a bien ce côté où masculin n'en peut plus. On est en train de remonter un petit peu les énergies. On voit que la blessure d'injustice, elle est en train de se libérer. Mais en attendant, ça reste quand même quelque chose d'assez commace, quoi. Y a des surprises qui arrivent. On sait, masculin sait qu'il y a une surprise qui arrive, mais c'est pas trop quoi exactement. Et du coup, on est un petit peu sur la défensive en mode est-ce que c'est une bonne surprise, est-ce que c'est une mauvaise surprise? Moi, j'aime pas trop me faire surprendre, donc du coup, j'attends un petit peu au tournant là. On est plus sur un côté négatif que sur un côté positif en termes de ce que masculin ressent, parce qu'il y a des peurs qui sont là. On n'aime pas se faire surprendre, on déteste ça. Il y a un côté manque de confiance dans la vie, donc manque de confiance dans les gens, manque de confiance en soi. Qui est assez présent. C'est très lourd, vraiment, c'est très lourd. J'ai l'impression de ne pas arriver à respirer. C'est incroyable. En fait, j'ai l'impression de respirer de l'air chaud. Un air qui est très étouffant, qui est très opaque. Ça fait bizarre de dire ça, mais vraiment, j'ai l'impression de respirer des cubes. J'arrive pas à m'exprimer, c'est dingue. Mais que l'air ne passe pas, quoi. Je me sens essoufflée, je me sens oppressée, j'ai l'impression que mes poumons sont vides et ont du mal à se remplir. C'est. Waouh! Là, on a bien les doutes, les peurs, on a bien le regret. J'ai peur de regretter,
J'ai peur de, voilà, on a vraiment quelqu'un qui est... qui s'interdit d'être terrorisé. C'est fort, ça, quand même, comme terme. On a quelqu'un qui s'interdit d'être terrorisé par ce qui va se passer, par cet imprévu-là. On a peur, mais on s'interdit d'avoir peur, mais d'un côté, on a peur quand même. Donc, on a peur, mais en fait, on est terrorisé. On a vraiment une peur plus, mais on préfère avoir une petite peur, parce qu'on ne peut pas l'empêcher. C'est tellement énorme que même si on met toutes nos barrières, ça passe quand même. Donc, c'est énormément fort. Enfin, c'est extrêmement fort, pardon. Mais en vérité, on a peur, mais au-dessus de ça. Il y a vraiment peur d'un changement, là, en ce moment. Que ce soit ce changement sentimental, que ce soit ce mouvement-là, peu importe. Mais on a quelqu'un qui a peur. Mode, mais j'ai peur de le regretter, en fait. De regretter cette décision que quelqu'un d'autre va prendre, cette décision que j'ai prise. Mais c'est tellement oppressant, vraiment, que j'arrive pas à respirer. J'ai peur de pas y arriver, de pas arriver à suivre le rythme. J'ai peur d'avoir fait tout ça pour rien. J'ai peur que ça va aller un temps, puis finalement que ça n'ira plus après. De pas avoir la force de continuer. J'ai peur de me faire trahir. J'ai peur de faire confiance alors que ça sert à rien. On est sur la rivalité, la rivalité qui s'apaise. On est sur un échange qui pouvait possiblement partir en vrille, mais qui s'apaise dans les jours à venir. Là. On est sur quelqu'un qui va trouver le courage de combattre ses démons, de mettre les choses mieux en place, en fait, dans le domaine de la matière. On est sur le côté où on va être plus dans son côté féminin que dans son côté masculin. Donc, on amène vraiment cette douceur au niveau des énergies. On s'autorise à ressentir les choses, on s'autorise à ressentir la peur et on s'autorise à aller la voir, j'ai envie de dire. On met de la tempérance au niveau des énergies, on tempère un petit peu tout ça. On a la lune qui est très forte. Le fait que la lune, du coup, va passer, hein, parce que plus les jours passent, plus la lune passe, ça va beaucoup aider ça. On a quand même la carte de la victoire qui arrive. La carte du roi de coupe. Donc, quelqu'un qui est autant à l'aise avec ses émotions qu'avec la matière. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a en plus la reine de coupe. Là, on a le couple royal au niveau des coupes. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est sur le ressenti et sur la matière en même temps. Quelqu'un qui s'équilibre, qui tempère, justement. Donc, la peur est présente. Très présente même, mais elle va s'atténuer. On a l'équilibre qui va avoir un petit peu de mal, mais qui va se faire quand même. Ouf, ouais. J'ai l'impression d'avoir le ventre mais tellement creux. C'est waouh, les ressentis des masculins là aujourd'hui, c'est oppressant, ouais, c'est ça le mot, c'est dingue. Mais c'est très fort. J'ai l'impression d'avoir mon ventre qui est en train de se replier sur lui-même, mon derrière. C'est pas agréable. Hein. Donc là, je vais vers ma vérité parce qu'il y a cette peur de tout ça, là, de tout ce qu'on a vu.
qui fait que à l'heure actuelle, on n'arrive pas spécialement à se reposer, mais que derrière, on a bien cette tempérance au niveau des énergies qui va pouvoir mettre tout ça en place. On a le côté où on essaye vraiment de faire les choses au mieux, de trouver des solutions pour tout le monde. Et là, on a quelqu'un qui va laisser un petit peu tomber l'ego, de ne pas prendre des décisions avec ta tête, mais de prendre des décisions avec son cœur. Pour moi, j'ai quelque chose de quand même très doux qui arrive par la suite. En ce moment, là, à l'heure actuelle, c'est des énergies qui sont vraiment très mouvementées. Mais par la suite, on a des énergies qui s'apaisent et qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus relaxes. Il faut attendre que la lune passe, en fait. Il faut attendre que les énergies de la lune s'apaisent un petit peu. On a les énergies de la lune, on a les énergies de Mercure, on a les énergies du Vaisseau. On va déjà attendre que les énergies du Vaisseau et que les énergies de la lune passent. Donc, on en a environ jusqu'à jeudi, jeudi, vendredi matin, on va dire. Jeudi soir, vendredi matin. Là, la difficulté pour les masculins, ça va être de tempérer un petit peu tout ça. On va avoir une carte conseil, du coup, pour les masculins. Ouais. Libère ta blessure d'injustice. C'est ça qui te rend pas bien. N'aie pas peur du changement. Et ne sois pas hypocrite envers toi-même. Vis-à-vis de ton propre enfant intérieur. Ne sois pas hypocrite vis-à-vis de ton propre enfant intérieur. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Merci d'avoir, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas que vous avez du coup moins 20 euros sur tout ce qui est lié à la magie noire. Pour savoir si vous avez de la magie noire, vous avez la vidéo sur comment savoir si j'ai de la magie noire qui est faite pour ça. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, si jamais ça peut vous aider en ces temps un petit peu compliqués, vu que, comme une fois, les ombres ont été particulièrement présentes ces derniers jours. Voilà. Voilà, voilà. Moi, je vous fais d'énormes bisous d'Eskimo. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.